Eh bien, bonjour à tous, c'est l'Arclinic et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième partie sur le 8ème donjon, le Roc de la Tortue. Et donc là nous retrouvons face à deux monstres, mais cette fois-ci nous sommes en hauteur, donc c'est très bien. Là on a l'avantage et donc il suffit de bien viser, voilà, on utilise les bombes pour bien viser. D'ailleurs il est nécessaire de les tuer d'en haut et pas de... pas au même niveau qu'eux, pas d'en bas. Vous allez voir pourquoi. Heureusement que j'ai beaucoup de bombes quand même. Heureusement que j'ai beaucoup de bombes. Parce que là, ça risque d'être compliqué. Et en plus, j'ai tout le temps. Je peux le tenir autant de temps que je veux, la bombe. Ce qui est génial, c'est qu'elle n'est pas allumée. Contrairement à d'autres jeux Zelda. Allez, bon appétit. Hein. Ah, mal visé. Ah, là, par contre, c'est plus dur que la version d'origine, ça aussi. Ah, bien misé. Sympa comme jeu, ça. Sympa. Ah oui, non, là, non. Là, c'est les effets de... les effets de perception, c'est pas la même que la version d'origine. Ah, c'est l'autre qui l'a mangé en premier. Enfin, la perceptive. Perspective. Enfin. Alors, on se concentre. On se concentre. Ah! Il n'est pas encore éliminé. Plus il a fait disparaître la fée, j'ai l'impression. Allez, viens ici. Oh là là. Ah, c'est un peu long, c'est chiant, hein, c'est sûr. C'est un peu long. Ah, évidemment, il tourne. Voilà, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Un coffre apparaît. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Une troisième clé. Ah. Voilà, très bien. Non, j'ai pas envie de revenir en bas. Ah d'accord, c'était pour revenir d'ici. Bon bah très bien, maintenant je peux aller chercher le coffre. Là ça va aller. Allez. Prendre le grappin. Ah d'accord, c'est pour la boum. C'est pour le boum. Vu que je l'ai déjà. Voilà. Allez, on récupère tout ça, surtout les bombes. La vie, j'en ai pas besoin. On peut mieux le laisser pour plus tard. Par contre, je m'en souviens plus vraiment où est-ce qu'il y avait des coffres. Ah oui, grappin. Aïe, 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 aïe. J'ai mal calculé mon coup, là. Ah oui, ça nous montre même sur la carte, c'est vrai, les serrures, les portes fermées à clé. Ben voilà, faut que j'aille en haut et à gauche. Ah voilà. Ah putain! Ça. Là, on atterrit ici. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Ah oui, des torches un peu partout là. Oh là là, avec plein de clés à mettre là. Ah
C'est pas une bombe, hein. Ah oui, il me semble bien qu'il y avait un mur fissuré. Ah bah j'aurais atterri ici. D'accord. Oh, très bien. Voilà. Allez, on se dépêche. Par contre, pour revenir ici... Ah oui, d'accord, il se passe rien. Il se passe rien. D'accord. Oh là là, je comprends plus rien, là. Ça y est, je suis perdu. Comment ça se fait qu'il s'est rien passé? Plutôt là. Ah, il y a encore une bombe à mettre, là. J'avais pas vu. Ah, et là, je ratire ici. Ouais, bon, ça m'avance pas grand-chose, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être que le premier, c'était dingue. J'ai pas eu le temps. J'ai pêché un peu plus que ça. Allez. Vite. À moins que c'est juste pour allumer comme ça, c'est juste pour éclairer peut-être. Ah, il se passe rien. Il se passe absolument rien. Ah non, il se passe rien. Ok. Bon, j'ai utilisé deux clés presque pour rien. C'est génial. Ah voilà, c'est là que je suis perdu. Là, je sais plus où il faut aller. Il y a un coffre ici. Après, je vois pas trop là. Non, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de les voir ceux-là. Ah, c'est fermé. Ah, on voit mal la porte fermée. Ok, bon. On revient sur nos pas, donc. C'est pas grave. On revient sur nos pas. En haut, on peut pas aller. Là, on peut pas aller. Donc, on va aller là. Non. Non, non, non. Là, on peut pas... Ah, ils sont chiants ceux-là. Ah, vas-y, laisse tomber. C'est bon, j'ai assez perdu de temps là. Non, on va prendre l'escalier. Ça y est, je commence à tourner en rond là, ça y est. Mais non, c'est là où j'étais déjà. Ah putain, ça y est, je tourne en rond. Ah, le truc que je déteste. Non, j'ai une idée de où je pourrais aller. J'ai une idée. C'est bon, c'est pas du tout là, quoi. Pas du tout. Ah, là. Ah, bah voilà. Ça y est, ici. Ok, je reviens là. Mais au moins, j'ai tiré en haut. Enfin en bas. Pour arriver ici. Ouais, rien de spécial. Ah, il m'en va mettre. Ok. Ok, un cristal. Je le frappe, hein, j'imagine qu'il faut le frapper. Ça, je serai débloqué un peu plus loin. Ah non, c'est pas du tout là. Pas du tout.
Voilà, et heureusement qu'il y a ce passage. De toute façon, c'est là que je voulais aller. Putain, mais... Bon bah, je suis déjà allé, j'ai tout visité. Je sais pas après l'escalier lequel mène où. Ouais, on peut dissimuler aussi les infos, faire tout disparaître, les escaliers, les portes fermées à clé, les coffres et tout, en maintenant le bouton Y. Pas mal. Pas bon. Je sais pas, ah putain, le donjon, je vous l'ai dit, je le connais pas par cœur. J'ai aucune idée de... Ah, ça y est, j'ai fait tous les passages, là. Enfin, je réfléchis, là. Ah ouais, non, le coffre, il faut le faire apparaître. Ce coffre-là... Oui, je reconnais la pièce. C'est là où ça sonne, où c'est sombre, et le coffre, il réapparaîtra plus tard. Enfin, il apparaîtra plus tard. À mon avis, c'est une clé. Vu que ça sonne, c'est une clé, forcément. Putain, je sais plus. Je sais plus où il faut aller. Merde. Je sais plus. Je sais plus, je suis perdu. Ouais, bon, ah, tant pis pour le cœur, hein, là. Là, je suis parti. Putain, mais. Bon, ça va, le mini-boss au moins il revient pas. Ah, j'ai fait tout ça déjà, c'est pris pour acquis tout ça. Relou de tourner en rond. Surtout en vidéo. On demandera plus de montage. Plus de coupures. Et voilà, je reviens là, je tourne en rond, c'est désespérant. Aïe 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 aïe, c'est compliqué. Oh putain. C'est ça. Ok, on peut pas. On peut rien faire. C'est génial. On peut rien faire. Ah bah voilà, c'était là. Ah, c'est chiant. Bon ça, curieusement, le texte, j'ai pu le passer rapidement. Alors qu'il y a d'autres trucs quand tu ouvres les coffres et t'as l'objet, et là le texte il met 5 secondes avant de pouvoir le passer. Ah voilà, c'est ici qu'il faut que j'aille. C'est ici. Là j'avais pris la clé, j'étais parti à l'extérieur. Après j'avais pas vraiment continué. À mon avis, lui il faut le tuer pour ouvrir la porte là-bas. Voilà, ça y est, on y arrive. Voilà. Ah bah très bien, voilà, j'ai retiré ici. Et en plus j'ai une clé pour la porte. Et là j'ai un coffre. Ça, 50 rubis mais bon. C'est très bien. La porte reste ouverte. Nickel. Ah, ah merde. Je peux pas aller là. Putain, c'est... Oh là là, mais c'est chiant ça. Comment tu fais pour aller là? Oh là là! Et moi qui pensais m'être débloqué. Je suis bel et bien coincé. Tout ce que je craignais. Putain. Ah, je vois pas.
Pousse-toi! Ah si, ça y est, putain, mais... Ça y est, j'ai ma petite idée. Oh là là. J'ai ma petite idée, j'ai une clé en plus, ça tombe bien. Oui, il faut passer comme ça et utiliser le grappin là, mais quel idiot. Voilà, tout simplement. Oh, oh, fait plaisir d'être décoincé. Pourvu que ça dure. Plouf. J'ai fait plouf dans le bain chaud. Ah, il faut qu'il se lave de temps en temps, Link. Faut de l'eau chaude pour bien nettoyer. J'ai tapé le truc, ça m'a remis ça. Ah! Le vrai mini-boss! Ah bah voilà! Ah, mais merde, merde! Merde, merde alors! Pas le droit de faire ça! Où tu es vilain? Où tu es vilain? Ah, tu qu'on se la donne! Faut faire gaffe parce que lui, voilà, il nous amène. Ah, pas à l'entrée du donjon. Juste là. Ah bah tant mieux alors. Ah bah tant mieux. Je crois que dans la version d'origine, il nous a emmené à l'entrée du donjon. Il fallait tous retaper. Ah là, c'est mieux quand même. Putain, vas-y, j'arrive pas à le toucher! Pas s'énerver. Voilà, il suffit de sauter là et d'attaquer rapidement, mais évidemment, je me fais avoir comme un pleu. Ah bah ça va, il était dur à toucher, mais il était tout faible. Ça va. Très bien, j'ai un téléporteur maintenant. Très très bien. Le problème. C'est que c'est fermé. J'aurais peut-être pas dû toucher à la dalle. Voilà, on va y arriver. Voilà, on va y arriver. C'est très bien. On tient le bon bout. Et là, on a le bâton de feu. Perso, je l'appellerais plutôt baguette de feu. Ça fait plus stylé. Mais bâton de feu, c'est pas mal aussi. Brûlez tout ce que vous voulez. Attention les gars, parce qu'à partir de maintenant, ça risque de chauffer. Ça. Allez, maintenant. Là, ça va. Je sais où il faut aller maintenant. Tout va bien. Bon. Alors. Bon, les torches allumées, là, c'est juste pour de la lumière. Ça sert à rien. On est d'accord. Oh, non, il me reste plus qu'à essayer de franchir cette pièce. C'est ce qu'on va faire. Aïe! Putain d'enfoiré! On va passer par là. Hé hé, t'as vu ce qu'il y a réflexe? Tu t'y attendais pas à ça, hein? Petit malin, va! Ah, par contre, les perspectives, hein, c'est bien fait. Voilà, il y a allumé ces deux torches. Et on a un coffre. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce coffre? Ah là là, j'en ai aucune idée. Oh, une clé! Bah ça, alors, quelle surprise! Bon, ok, je sors, c'était nul. Bon, j'ai une clé. Je sais où il faut aller. Tout va bien. À part s'il me manque une deuxième clé. Putain, l'enfoiré! Ah merde! Attends, je suis pas allé en haut. Ah bah voilà. Ok. Allez, on va faire des barbecues des copains. Ah ouais, là par contre, faut réfléchir avant d'agir.
Là, vaut mieux sauter. Voilà, tout à fait. C'est très bien. C'est très bien. Heureusement que ça revient. Il fait tellement froid dans cette grotte. Paradoxalement, alors qu'on est dans un... dans un roc volcanique, là, le donjon, il est tout feu, tout flamme. Voilà. Et tout... on est dans un roc volcanique, donc voilà, c'est normal. Voilà. Oh là là, ça y est. Ok, très bien. Viens ici! Saloperie! Et il fait des dérapages contrôlés, attention! Ça ne rigole plus! Double hit! Ouais, je me fais à chaque fois toucher, c'est un peu con, mais... c'est comme ça! Et voilà. Tu dis plus rien là, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a en haut? Oh, encore un truc, il faut boucher tous les trous. Décidément. Ah bah voilà. Ah c'est plus facile avec le... avec la direction sur le machin. Parce que ça, il n'y avait pas la direction dans la version d'origine. Et on obtient la grande clé. C'est très bien ça. Allez vite avant que le sol s'effondre. Bon. On avait largement le temps. Très bien, très bien. Attends, parce que moi j'étais arrivé dans une impasse, donc on va plutôt passer par là. Voilà, on va passer par là. Ah. On fait en sorte de pouvoir arriver ici, mais je m'en souviens là. Là je sais où il faut passer, il n'y a pas de soucis. Juste que je revienne là où j'ai envie de revenir. Voilà, c'est très clair. Attends, attends voir. Ouais. On va passer par là. Non, oh, c'est en bas qu'il faut aller. On voit mal la sortie, mais c'est en bas, voilà. Non, c'est pas là. Ah putain, c'est désespérant qu'on arrive comme ça, là. Ah, il faut encore faire un détour. Ah non, on peut passer ici, voilà. C'est vrai. On peut passer là. Non. C'est pas là. Attends, ouais, c'est par là. Voilà, c'est bien là. Sur lui. Ah oui, là par contre, il faut se frayer le chemin, mais... ouais. Là, je suis obligé de cramer tout ça. Ah oui, là, il faut réfléchir un minimum pour se frayer un chemin. Là. Oh,
ce sont des blocs de glace. Ils sont très froids. Normal, pour de la glace. Donc là, on peut pas passer, hein. Et donc là, en fait, je suis obligé de tout cramer. Ah. Allez! Ah putain, vas-y! Oh, ça y est. Putain, mais c'est comique! Voilà, on y arrive, non, c'est pas par là. C'est comme ça qu'il faut passer. En fait, il fallait tout cramer. Ah, voilà! Là, par contre, il faut réfléchir. Là, faut surtout pas tout cramer. Non, voilà. Faut aller. Non! Faut faire ça en bas. Ensuite, comme ça. Et voilà. C'est bon. Et là, on arrive enfin devant le boss. Ça va, j'aurais pas galéré tant que ça dans le donjon. J'en souviens que par contre j'avais galéré la fois d'avant, j'ai galéré pour trouver comment atteindre la pièce qui mène au boss. Et maintenant je m'en souvenais donc. Splash! Misérable insecte! Jamais je ne te laisserai jouer des instruments des sirènes! Ouh là là! Oui, chaud lui! Coloflamme! Enchanté! Moi c'est Cologlas! Alors là, Coloflamme! J'ai pas de bâton de glace. Est-ce qu'avec l'épée on peut le toucher? Non. Ah, comment faire? On va essayer avec le bâton de... oui, ça c'est très bizarre. C'est un bâton de feu. Normalement ça devrait rien lui faire du tout. Ça devrait rien lui faire du tout. Vu que c'est du feu, mais non. Là ça fait comme si c'était de la glace. Voilà, c'est très bizarre, c'est une roche volcanique, mais non, c'est le feu qui lui fait du mal. Ok. Bon, après tout, c'est un rêve, donc tout est permis. On est dans un rêve. Tout est permis, mais bon. Ah tiens, ah, salut. Il me roule la tête, là. Non, si tu n'étais pas venu ici, rien n'aurait changé. Tu ne pourras pas réveiller le poisson rêve. N'oublie pas, nous faisons tous partie de son rêve. Ouais, donc voilà, on l'aurait bien compris. Tous les boss sont au courant qu'ils font partie d'un rêve, mais par contre, les personnages comme Marine, son père et tout ça... On sait pas trop s'ils sont au courant. On se rappelle que à un moment Marine avait tenté de réveiller le poisson rêve en chantant. Mais bon, on sait pas si elle est consciente qu'elle fait partie d'un rêve. Ça c'est quand même mystérieux. Quand même mystérieux. Et donc qu'est-ce qu'on a? Là on obtient le tambour des marées. L'heure a sonné, l'œuf sacré te réclame. Et voilà. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On est bien. Et on se retrouve pour la prochaine partie devant l'œuf sacré. Nous allons jouer les 8 instruments. Allez, on va s'arrêter là, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien. Allez, ciao.